Salut tout le monde, c'est Ezor, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stranded Deep. Je suis vraiment content de vous proposer... Oula, ça je crois que c'est le requin. Je suis vraiment content de vous proposer une vidéo sur ce jeu, sachant que ça fait quasiment 2 ans que je vous ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, tout simplement. J'avais besoin de faire une pause. Pour ceux qui me suivent depuis les débuts, je suis sur YouTube depuis 2012, donc ça fait plus de 10 ans. Et au bout de 10 ans, voilà, j'avais besoin de faire une pause dans ma vie, j'avais des choses à... Voilà, ma vie faisait que j'avais d'autres choses à réaliser, importantes pour moi. Et aujourd'hui, je me suis dit, bah, pourquoi pas refaire une vidéo sur Stranded Deep. Je sais que cette série vous plaisait beaucoup. Et je me suis dit, voilà, faire un concept, comme je l'avais déjà fait sur ma chaîne, que devient le jeu en 2024. Ça pourrait être sympa, et peut-être, pourquoi pas, certains de se remettre sur le jeu. Il y a eu des mises à jour, il y en a eu quelques-unes ces derniers mois. Enfin, la dernière en date, elle date de janvier. Et c'est surtout pour corriger des bugs. Surtout pour ça. Et ce qui fait que aujourd'hui je reprends vraiment de zéro. Je n'ai pas regardé les dernières mises à jour. Je sais juste que maintenant il y a un calamar qui peut vous attaquer. J'ai trouvé ça assez dingue. Mais je n'ai pas voulu regarder les dernières mises à jour, tout simplement pour commencer de zéro et découvrir tout ça avec vous directement. Et déjà pour commencer, au niveau de l'inventaire, rien n'a changé. C'est toujours pareil. Pas de gros changements. La dernière fois que j'ai joué, je crois que c'était il y a 3-4 ans. Donc pas de changement, on appuie sur C pour les touches raccourcies pour crafter. Bah, vous savez quoi, je vais faire ça de suite, un petit couteau. Et au niveau de l'inventaire du système de craft, ça n'a pas évolué non plus. On reste toujours sur la base de ce qu'il y avait avant. On craftait une hache, une pioche, un arc. Pas de nouveauté. Alors peut-être que... Je vais attendre avant, donc je vais regarder. Water Steel, Plank Station, ok. Bon, je vois pas de nouveauté. Alors peut-être qu'il y a un système de recettes à apprendre. Peut-être qu'il y a du nouveau contenu, je sais pas. Mais pour le moment, en tout cas, je vois pas de nouveauté. Consumable, coconut flask. Ok, des antidotes toujours. Bon, bah ça c'est cool. Mais je vois pas de... Ouais, pareil, story. Donc ça, ça a pas changé. Farming, ok. Véhicule, bon, bah ça, je me crafterai un bateau plus tard, pas maintenant, dans l'épisode 2. Si jamais ça vous plaît, bah, vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça permet de partager un maximum et ça de référencement. Et en commentaire, me dire un petit peu les objectifs que vous voudriez que je fasse. Ça peut être intéressant. Bon, ok, au niveau du craft, rien n'a changé. En tout cas, comme je dis, peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont me proposer d'apprendre des recettes. Je sais pas, je verrai bien. Là, j'ai ramassé, c'est quoi ça? C'est de l'aloe vera. Je sais que tout à l'heure, quand j'ai lancé le jeu, ils me proposaient de fabriquer de la crème solaire. Parce qu'on a toujours la montre. Ok, la montre. Et on peut voir en temps réel la baisse de l'hydratation de la nourriture. Avant, c'était pas le cas. C'était quand ça baissait, c'était automatiquement, enfin c'était direct. Là maintenant, on le voit en temps réel. L'UV est en height, donc ma peau, elle va commencer à rougir de mes souvenirs. Hunting, cooking, donc ça c'est au niveau de mon expérience. En fait, plus je vais crafter, ramasser d'items, etc., plus mes barres vont augmenter. Donc je sais pas si je vais débloquer de nouvelles recettes, j'en sais strictement rien. On verra ça au fil du temps. Mon effet, donc statut Aisley, donc ça va, ma santé est bien. Survie, 0. Item crafté qu'un seul, bien évidemment. Ok, bon, la montre, pas de gros changement non plus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser ça, ce qui va nous permettre de nous crafter de la corde. Ça, c'est primordial. C'est, voilà, je vais ramasser des cailloux et surtout de quoi me faire des cordes. Là, l'objectif, ça va pas de construire une base dès le premier épisode, mais de fouiller les îles. Il y a un bateau ici. Ok, je vais essayer d'aller le faire, de fouiller un peu les îles pour ramasser des ressources. Ça sera surtout la priorité. Et également de pouvoir trouver de l'eau. Alors l'eau, si je dis pas de bêtises, c'est en ramassant des noix de coco. Alors attendez. De mes souvenirs, il fallait casser ça. Donc attendez, la touche E, non. Ah ok, on met ça au sol. On met ça et... Ok, je vais voir si... Ok, parfait. Et normalement, il faut donner encore un coup pour ensuite boire la noix de coco. Et là, je suis mon hydratation. Ok, elle est là. Ok, ça me augmente de une barre. Ok, cool. Je vais la garder sur moi, comme ça me permettra d'avoir de quoi manger, parce que ça, c'est primordial. Et je vois qu'il y a encore une autre aloe vera, donc je vais la ramasser. Il y a des plantes médicinales, c'est cool. Il y en a une autre ici. Je sais plus trop à quoi ça sert. Ajoute à plante, je vais la ramasser. Et oh, nice! Ça, c'est cool, la pipi plante. C'est pour... Enfin, pipi. Pipi plante, en anglais, bien évidemment. Je crois que c'est pour me soigner. Ici, il faut faire attention parce qu'il faut pas marcher dessus. Et je vais ramasser encore des cailloux.
pour me fabriquer une hache. Et là, l'objectif vraiment, c'est de ramasser le plus possible de feuilles de palmier, enfin de pousses de palmier, pour me faire de la corde. Ça, c'est primordial. Ensuite, je vais essayer de nager vite fait pour vous montrer un peu comment c'est. Je pense qu'il y a sûrement de nouveaux poissons, que je peux pêcher également. Pour ça, il faut que je me fasse encore un couteau. Non, je vais me faire de la corde. Je vais en profiter pour faire une tool belt. Alors ça, je sais pas si ça permet d'augmenter mon espace pour ranger les outils. Je crois que j'ai déjà crafté sans faire exprès. Parce que je ne peux plus la crafter là. Donc j'ai dû la crafter sans faire exprès. Bon, c'est pas grave. Alors je vais essayer de venir ici, de monter sur le bateau. C'est ouf parce que c'est, on a de la chance, on a déjà un bateau de dispo dès le début. Ah, ok, je n'ai pas réussi à remonter. Non, ok, alors peut-être c'est un petit peu trop haut, donc je vais essayer d'aller chercher mon bateau. Je vais fouiller encore un petit peu le centre de l'île, et ensuite me faire une hache, et le plus vite possible. Il n'y a pas de fruits, des fois on peut trouver des fruits pour justement avoir de quoi manger, mais là il n'y en a pas. Par contre le yucca, ça je vais vite récupérer, parce que ça va me faire de la corde encore une fois, ça c'est l'objectif premier. Ok, parfait, super, nickel. Est-ce que j'en ai d'autres au sol? Non. Ok. Ah, j'en ai un autre ici. Alors, je vais le ramasser. Ok, super. J'ai le niveau qui a augmenté. Donc ça, c'est cool. Donc, c'est ok à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est le craft. Par contre, est-ce que j'ai débloqué de nouvelles recettes? Non, pas pour le moment. Ok, bon, c'est pas grave. Wood type pile. Ah oui, d'accord, je peux me faire un stock de bois. Ça, c'est cool, ça, c'est nouveau, ça. À l'époque, quand j'ai arrêté, il y a 3-4 ans à peu près, on pouvait pas faire de stock de bois. Il fallait entreposer le bois à l'arrache par terre. C'était un peu... Bon, c'était pas terrible. Là, maintenant, on peut stacker le bois directement. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est cool. Donc, ok. Ok, donc, dans tous les cas, l'aloe vera, je vais la garder parce que je peux me faire une crème solaire. Je l'avais vu, comme je l'ai dit au début de vidéo, qu'on peut se fabriquer une crème solaire. Alors je sais pas trop encore comment faire, donc bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et je vais regarder quelque chose, de quoi me faire de la corde, parce que là je peux en faire qu'une seule. Ok, allez, je vais ramasser ça au sol, je vais me faire à manger. Alors de mes souvenirs, il faut pas trop que j'en mange la noix de coco, parce que sinon je risque de tomber malade. Je crois qu'il nous, au bout d'un moment, on a la diarrhée, donc j'essaie de faire gaffe. Mais bon, je peux manger un petit peu quand même. Là, je suis encore au niveau de mon hydratation, ça va. Ma bouffe aussi, mais je vais quand même manger. Ah, d'accord, ok, je suis déjà plein. Alors, par contre, on n'a pas trop d'espace au début. Donc, dès que je peux, j'essaierai de me faire un sac. Ce serait cool pour un peu plus d'espace. Ok, allez, je vais me faire encore de la corde. C'est parti. Nickel, parfait. Et là maintenant je peux me faire une canne à pêche, ça c'est cool. Et une hache, il faut que je me crafte encore un silex. Et là je peux me faire ma hache, parfait. Magnifique. Ok, super. Donc là par contre je commence à être un peu full. Ouais, moi comme ça, ça me permettra de ramasser plus rapidement les pousses au sol. Même sur les arbres, etc. Ça me permettra de couper du bois beaucoup plus rapidement. Je vais essayer de boire encore un coup. Hop, c'est parti, on pose ça au sol, on perd pas de temps. Ok, super, parfait. Donc ça, je vais garder un autre coco sur moi au cas où si j'ai faim. Et je vais prendre mon bateau et partir fouiller le bateau qui est juste à côté, qui est échoué. Donc, je pense que j'ai tout ramassé, je fais un dernier petit tour. Je vais prendre mon bateau parce qu'il va commencer à faire nuit. Et j'ai plus de place. Donc je vais mettre ça au sol. Hop. Et je vais déployer. Ok, ça c'est pour mettre l'encre, si je dis pas de bêtises. J'ai fait un truc. Ça c'est mon sac à dos. Il y a de la nourriture. Nice. Ok, il y a un bandage. Donc ça c'est cool. Une boussole. Et il y a 3 rations de nourriture. Parfait. Super. Allez, je prends mon bateau. Et je vais m'éloigner. Hop, parfait. Allez, on est parti.
Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver, comme je vous dis, pour une nouvelle vidéo, parce que voilà, c'est vrai que la pause a été quand même assez longue. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas du tout si vous allez être au rendez-vous, autant je vais faire 100 vues comme 200 vues, parce que voilà, malheureusement, YouTube, plus vous êtes inactif, plus les gens vous oublient, etc., et plus vous êtes moins mis en avant aussi par YouTube. Bref, voilà, donc c'est ça qui est un peu embêtant, mais c'est pas grave, moi je suis toujours passionné par faire des vidéos, c'est juste que j'avais besoin encore une fois de faire une pause, c'était nécessaire, et... pour pas être dégoûté, on va dire, et là je commençais à avoir un peu ma dose. Et puis comme je vous dis, j'avais besoin de faire autre chose aussi pendant ces 2 ans là. Donc j'ai encore ma vidéo au Québec à sortir. J'avais fait une autre vidéo de préparation, faudrait que je vous la sorte aussi. Même si elle date d'il y a 2 ans, c'est pas grave. Je vais toujours vous la sortir. Ok, donc ça, je le déploie. Ok, bon, c'est pas grave, normalement. Et ouais, ça, le problème, c'est qu'il est trop... Il n'y a pas assez de fond, en fait. Mais le souci, c'est que sans le bateau, j'ai l'impression que je peux pas monter dedans, en fait. Donc après, je peux le fouiller en 2-2, hein. Je pense pas qu'il va, s'enlever. J'aurai le temps de le rattraper, donc je vais essayer vite de me dépêcher quand je vais fouiller. Parce que si je pouvais trouver une lampe torche, ce serait super. Ok, donc ça, je m'en fiche un peu. Les planches, j'en ai pas besoin pour moi. Ça va prendre plus de place qu'autre chose. Et c'est vrai que là, je vois rien du tout dans le bateau. Ok, bon, c'est pas grave. On va aller sur l'autre île. Hop. Ok, super. Allez, on est parti. On va aller sur l'île d'en face, là, où il y a le bateau. Il y a un autre bateau. Ça devrait être très bien. Alors, je sais qu'on peut fouiller des bateaux aussi sous l'eau. Quand il y a des petits roumous comme ça, c'est pour vous dire que... Bon, pour la plupart, vous le savez, qu'il y a un bateau en profondeur. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de lampe torche. C'est ça le souci. Donc après je peux peut-être en trouver avec un peu de chance à l'intérieur. Là si je vais plonger, le problème c'est que je vais rien y voir du tout. Et quoique... Ouais non, enfin vous y voyez rien, moi non plus. Ouais non. Il faut que... Non, il faut que je trouve une lampe torche, tant pis. On va attendre un petit peu pour fouiller les bateaux. Enfin en tout cas on va attendre qu'il fasse jour. Et je fouillerai tout à l'heure, c'est pas grave. Alors, on va en direction de l'île. On perd pas de temps. Et normalement, là, on peut la déployer. Voilà, là, on peut déployer. Ok, super. Mais quand on est trop près du rivage, c'est possible. Allez, c'est parti. Je récupère ça. Et let's go. Ok, c'est bon. Me voilà sur l'île. J'ai accosté. Je vais la fouiller, voir un peu ce qu'il y a de sud intéressant. En tout cas, il y a un gros bateau, ça c'est cool. Mais le problème, c'est que de le fouiller de jour, enfin de nuit, pardon, ça risque d'être un peu compliqué. En plus, il y a la musique du requin, de mes souvenirs. C'est quand il y a le requin qui est pas loin. Nice. Ah, il y a un marteau. Ah ouais, il y a du stuff là, c'est cool. Ok, bon, je verrai ça plus tard parce que là, pour moi, je peux rien en faire. Et il me faut, il faudrait que je m'établisse sur une île pour... Pipi plant, pie pie plant plutôt. Ça, c'est cool. Et les chauves-souris. Ils sont grosses. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Donc maintenant, il y a des chauves-souris qui sont gigantesques. Elles n'étaient pas aussi grosses avant. Ok, bon, j'espère qu'elles vont pas m'attaquer. On dirait que non, donc tant mieux. Je vais ramasser du bois parce que là, mon objectif, c'est de me faire une tente. Donc il me faut 4 feuilles de palmier. Donc il faut que je prenne ma hache et que je me coupe un palmier comme ceci. On va pas perdre de temps. Putain, c'est quoi ce truc? On dirait un crabe. Putain, c'est énorme. Alors, par contre, je sais pas si ça attaque. Ok, ça attaque. Ok, 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 c'est bon, je m'éloigne. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je m'éloigne. J'ai pas de lance ni rien, ni d'arc. Il aurait fallu que je me fasse un arc, à la rigueur. Et par contre, je sais pas combien de temps il va me suivre. Donc je vais courir le plus loin possible. Parce que je pense que ça va faire pas mal de dégâts. Après, je risque de saigner autant. Enfin bref, ça va être compliqué. Donc voilà, je vais pas jouer avec le feu. Et j'espère qu'il va pas me suivre sur tout... Oh putain, il y a un sanglier. Oh, il m'a fait... Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, là. Putain, mais c'est quoi ce style, là? Maintenant, il y a des sangliers, il y a des... j'ai perdu pas mal d'HP en plus. Ouais, est-ce que je saigne ou pas? Non, c'est bon, ok. Bon, par contre, j'ai perdu un peu des HP, quoi. Il y a toujours le... okay. Bon, Et il y a un serpent, ok, bon je crois que l'île elle veut pas que je vienne, elle a pas envie que je m'y installe. Ok, bon, ce qui aurait été bien quand même c'est que je me fasse des feuilles de palmier pour me faire un lit, au moins pour passer la nuit. Je vais essayer vite de me faire ça.
Ok, parfait. En même temps, ça me fait XP, donc ça, c'est cool. Je fais gaffe que le crabe m'attaque pas. Parce qu'il manquerait plus que ça, parce que je sais même pas les dégâts, s'il fait beaucoup de dégâts, donc... Putain, le screamer, là, avec le sanglier, quand je m'y attendais tellement pas. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que c'est bon, j'ai réussi à survivre. Hop. Maintenant, je prends ça. Bon, ça va, j'ai pas trop perdu. C'est comme le vélo... J'arrive à me rappeler quand même de tout ça. Et je crois que j'ai pas besoin de tout craft, enfin de tout avoir sur moi. Magnifique, c'est bon. Save déjà pour commencer. Et maintenant, je vais dormir. Nickel, parfait. Ok, comme ça au moins il fera jour. Alors par contre, il va falloir que je mange. Parce que, enfin il fera jour. Il va bientôt faire jour. Je vais peut-être manger un peu. Ouais, ma nourriture, je vais prendre ce qu'il y a là. Hop. Parfait. Alors, est-ce que ça augmente mon hydratation aussi? Je vais bien le voir de suite. Magnifique. Ok, super. En tout cas, ça, c'est bien. Commencez toujours avec ça au début, au moins, vous le savez. Pour pas trop galérer, vous avez des boîtes de conserve qui vous permettront d'augmenter votre hydratation. Et je vais pouvoir bientôt fouiller le bateau. J'attends qu'il fasse jour, ok. Et on va fouiller l'île et tout ça. Et puis, on va aller sur une autre île. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Ok, c'est bon, il fait jour. Je vais fouiller vite l'île avant d'aller sur les bateaux. Hop, ça je vais ramasser. Je sais plus trop à quoi ça sert. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous voulez dans l'espace commentaire. Hein, parce que c'est vrai que, comme je le dis, j'avais vraiment envie de découvrir le jeu avec vous. Le redécouvrir en tout cas. Je voulais pas regarder des vidéos tuto, etc. Donc forcément, je risque d'avoir un peu du mal par moment. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Hein, c'est le but d'un jeu de survie. Et il y a des petits marcassins. Qui, ok, il y a des petits sangliers. Et des fois il y en a des pureaux. Mais du coup j'ai dû me faire attaquer par un gros. Forcément, hein, logique. Bon, l'île est pas très grande. Je pense que j'ai ramassé le pureau. J'allais faire les bateaux parce que c'est là où on peut trouver des lampes. Et c'est ce que j'ai besoin parce que la nuit là, quand il fait voilà, quand il y a de la nuit, enfin quand il fait nuit, si j'ai rien pour m'éclairer, c'est très compliqué. Et je vais faire attention aux requins. Parce que voilà, c'est un des dangers principaux quand on est en pleine mer. Ok, donc là, est-ce qu'il y a des... Bah, magnifique. Voilà, il suffisait de demander. Une lampe, parfait. Très bien. Ok, je vais voir si sous le bateau, il n'y a rien à fouiller non plus. Ah bah, si sur le bateau, il y a par contre une caisse avec un moteur, de la nourriture, des jumelles. Magnifique. Ah, par contre, j'ai plus de place encore. Ça, c'est vraiment compliqué. Les cailloux, vous savez quoi? Je vais les jeter. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Le bout de bois, pareil. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est nouveau, ça, hein. J'ai pas souvenir d'avoir eu ça dans les dernières mises à jour, quand j'ai joué 3-4 ans. Est-ce qu'on peut zoomer? Non, on peut pas zoomer, mais bon, on voit un peu mieux. Ouais, pas de ouf non plus, hein. Bon, c'est pas des lunettes, des jumelles incroyables. C'est pas grave, ça, je vais le ramasser, la nourriture obligatoire. Là, je suis à combien? Moi, je suis au max quasiment, donc le moteur... je vais pas m'embarquer avec un moteur pour le moment. Oh, il est énorme celui-là. Ok, ça c'est nouveau, j'avais pas ça avant, alors j'espère qu'il va pas m'attaquer, non c'est bon. Par contre, pour pêcher, j'imagine qu'il faut un harpon, et à cuisiner, ça doit être vachement sympa. Donc, ah quoi que si, ce poisson il était là, si je me rappelle, j'avais fait une vidéo avec une miniature dessus. Donc ouais, je viens de m'en souvenir. Allez, c'est parti pour faire l'autre bateau. Ok, premier jour de survie, magnifique. Level up physique. Ok, alors peut-être qu'on aura une meilleure stamina avec le temps. Ah, j'ai une meilleure lampe là. Parfait. Ok, alors qu'est-ce que je peux enlever qui me gêne? Voilà, la jumelle, on va l'enlever parce que dans tous les cas. Hop, une lampe, parfait. Super. Donc ça, c'était vraiment l'objectif, c'était d'avoir une lampe parce que je crois pas qu'on puisse faire une torche. Enfin, on doit pouvoir, hein, mais là, j'ai pas souvenir. Ok, donc ça, véhicule fuel. Donc ça, c'est bien pour, on va dire, faire un bateau. Mais est-ce que... Je sais pas si ça va être l'objectif du début. Je vais voir, je vais fouiller l'autre bateau. Si j'ai tout ce qu'il faut, autant pour l'épisode 2, je me crafte le bateau à moteur. Mais le problème, c'est qu'attendez, je viens d'y penser, avec le bateau moteur, il faut de l'essence. Voilà, donc je pense qu'un bateau à voile, pour commencer, ça sera déjà très bien. Et ce sera beaucoup plus simple que d'avoir la bouée, là. Donc le problème, c'est que là... Ah, il y a des requins marteaux, maintenant. Ok.
Ok, il y avait le requin blanc avant de disponible, mais je savais pas qu'il y avait le requin marteau maintenant, donc j'espère que le requin blanc est toujours là. Normalement oui. Mais ce que je vais faire par contre avant, c'est que je vais poser mes outils par terre. Ok, parfait, c'est bon. Allez, je vais fouiller les deux gros bateaux là, et en espérant trouver du stuff intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si vous voulez avoir l'épisode 2. Et vous avez le lien de mon canal Telegram pour ceux qui le veulent. Alors c'est un canal Telegram sur la crypto, donc rien à voir avec, avec ce que je fais de base. Mais si vous êtes passionné par ça, je partage un peu tout ce qui est news, etc. par rapport aux crypto. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Ok, là il n'y a rien. Alors sûrement dans le cockpit, il y aura des choses intéressantes. Ouais, nickel. Une boussole, non, j'ai pas besoin. Et ça, non plus, j'ai déjà... Ok, de la tôle, bon. C'est surtout des équipements pour faire un bateau que j'ai. Ok, donc je voulais savoir s'il y avait le requin blanc encore de dispo, et je vois que c'est le cas, donc ok, nickel. Et par contre, là, le bateau, il est énorme celui-là, donc il y a souvent du stuff intéressant dessus. Et ce que j'aimerais, c'est surtout de la nourriture, si possible. Donc faut que je fasse gaffe, parce que je crois que le requin, par moment, il peut quand même rentrer dans le bateau. Donc faut que je sois quand même assez prudent. Et il est immense, celui-là en plus, donc c'est parfait. Ok, encore une lampe. Ça, du cuir, je vais le récupérer. Ça aussi. Ok, parce que ça, ça peut servir à craft. Je sais que ma... ça, je peux m'en servir pour me protéger face au requin. Donc, je vais le garder dans la main au cas où. Si il arrive devant moi et que je le vois pas. Hop, ça, je vais récupérer pour me crafter de la nourriture. Ça, obligatoire. Pour me fabriquer le bateau à voile. Il me faut... Il m'en faut... ok, donc les conteneurs là-dedans, je sais... Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ce poison? Et non, ok, j'ai l'impression que c'est un autre type de requin, je sais plus le nom. Mais... ok, on peut l'ouvrir. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Non, il n'y a rien du tout. Ok, là c'est vide. Alors je pense que les conteneurs, c'est surtout pour... crafter notre base. Il n'y aura pas forcément d'items dedans, mais ce sera surtout pour... crafter une base en tôle. Ouais, et pour ça il faut une hache spéciale que je n'ai pas. Donc tant pis, on fera 100. Et au-dessus il n'y a rien. Alors peut-être que là par contre il risque d'y avoir du stuff. Ouais, ça me semblait. Une tôle, en... une bâche. Ok, j'essaie d'aller en haut du bateau pour essayer de trouver des choses intéressantes. Je vais faire gaffe hein, de ne pas me faire attaquer surtout. Parce que lui quand il attaque il fait très mal. Et surtout après je saigne et tout. Donc bon, si je peux éviter de me blesser, ce serait bien. Ok, c'est bon, on est à l'étage. Est-ce que je vais trouver des choses intéressantes ici? Non, à première vue. Là, je pourrais en faire. Ok, et peut-être en haut. Peut-être qu'en haut, je peux trouver quelque chose à du stuff. Et là, je vois qu'il y a un avion qui passe. Énorme, j'ai pas souvenir. Je sais pas si on pouvait en voir des fois. Mais en tout cas, il y a des avions qui passent. Et c'est peut-être avec notre fusée qu'on va pouvoir se faire... voir, en tout cas c'est la suite de l'histoire, mais bon, je me rappelle plus. Du scotch, ça c'est primordial. J'ai bien fait de venir ici. Hop, et on descend. Parce que là si je saute, alors je peux sauter peut-être dans l'eau, là ça ira, mais je vais pas prendre de risque. J'ai pas sauvegardé ni rien encore depuis que je suis en train de fouiller là, donc je testerai plus tard. Ok, allez, on continue à fouiller. Et on dirait que là il y a rien d'intéressant. Bon. Et ici non plus. Ok, physical level up, parfait. Je vais voir si je peux ouvrir la porte ici. Ouais, ok, nickel. Et avec bien sûr un coffre. Avec de la corde. Ok, bon. Bon bah écoutez, ça va. J'ai du stuff, j'ai de la nourriture, j'ai de quoi m'éclairer. Ça c'était vraiment important parce qu'à chaque fois la nuit c'est compliqué. Alors de mes souvenirs... Malheureusement, l'éclairage n'est pas extraordinaire. Ok, ça de la corde, je vais en récupérer encore, ça aussi. Malheureusement, c'est pas incroyable. Hop, je vais reprendre de l'oxygène. Et je vais y retourner. Pour fouiller la salle des machines. Ok, du cuir, parfait pour ça. Pour me faire une hache, une pioche améliorée, c'est obligatoire. Donc le bateau... Ok, je vais essayer de faire vite. Ok, parce que là, j'ai plus d'oxygène bientôt. Parce que normalement, on peut se crafter de quoi rester longtemps sous l'eau. Mais là, actuellement, je ne l'ai pas encore sur moi.
Ok, au niveau de ma bouffe et de mon hydratation, ça va. La nourriture baisse assez lentement. J'essaie de me dépêcher de retourner vite, fouiller le reste du bateau. Voir si je peux trouver des choses intéressantes. Non, ok, allez vite, vite, je rentre parce que là c'est trop dangereux ce que je fais. Je vais avoir à peine le temps de remonter à la surface. Allez vite, 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 dépêche-toi. Allez, 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 allez. Ouais, ok, bon, il y a du stuff intéressant, mais dans tous les cas, là, je suis full. Et je vais éviter de prendre trop de risques. Là, non, ça va être trop compliqué, là. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce premier épisode, qui est très sympa. En tout cas, j'ai pu voir qu'ils ont ajouté quand même un peu de contenu. Bon, c'est pas en une heure de jeu quasiment que je vais pouvoir me faire une idée, ce qui est normal. Mais en tout cas, on garde la base du jeu. Il n'y a pas eu trop de changements à ce niveau-là. Peut-être qu'au niveau des crafts, etc., il y aura sûrement d'autres choses. On verra d'autres nouveautés, je pense, dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me dire un peu ce que vous avez pensé de la vidéo. Et ça permet aussi de mieux référencer la vidéo. C'est important pour moi. Et puis, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous refaire une vidéo. Voilà, ça m'a pris sur un coup de tête. Je sais pas trop encore une fois ce que ça va donner. Autant je vais avoir 100 ou 200 vues, vu que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est pas grave, le principal c'est que je me suis régalé et surtout de revenir un peu aux bases des jeux de survie qui étaient un peu de ma chaîne, même s'il y avait eu Dofus avant. Mais en tout cas, pour ce premier épisode, les chauves-souris, pareil, ça j'ai jamais vu avant. Donc il y a quelques ajouts qui sont très sympas. J'espère encore une fois que ça vous donnera envie de retourner sur le jeu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils à me donner, des astuces, et bien sûr à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour l'épisode 2. Je pense que ça peut être très sympa, et puis j'espère avoir la chance de voir ce calamar. Bon, on va pas le voir de suite, mais en tout cas j'ai hâte. Et puis prenez soin de vous, merci encore à vous de votre soutien, n'oubliez pas les liens dans la description, et puis on se retrouve comme je dis d'ici quelques jours. Merci encore à vous, ciao tout le monde.